Certes, ça ne leur apprend pas à nager, mais ça leur permet de se rendre compte que leur corps peut flotter et qu'ils peuvent évoluer dans l'eau et regagner le bord en toute sécurité. Ils vont venir deux fois par jour dans l'eau, et bien pour se familiariser plus rapidement avec ce milieu. C'est une double mission, à la fois prendre ce temps-là pour que les professionnels soient plus aguerris sur des publics qu'ils connaissent déjà mais parfois maîtrisent un peu moins bien, qui sont des élèves de 3 à 6 ans ou en tout cas dans les centres de loisirs des enfants de 3 à 6 ans. Et puis en même temps qu'on avance sur la partie didactique de la natation, c'est-à-dire comment on apprend à nager, quelles sont les étapes, avec des choses qui sont parfois un petit peu chintées quand on est dans la pratique quotidienne du maître-nageur.